Donc c'est un genre de jeu de programmation. Hey you, are you a hard-working farmer? Let machines do that for you. Are you a hard-working coal miner, truck driver or coffee shop employee? Let machines do that for you. Tastes like progress. But aren't there any good jobs left for hard-working families like us? You'll never need to work again. Machines have provided unlimited free energy. Unlimited fast, clean transportation. Unlimited free, nutritious food. You're completely free to do whatever you want. A marvelous modern utopia. But we want good-paying jobs. Okay, creating jobs. You want jobs? You will have jobs. They will be the best jobs. Huge. Believe me, you have never seen so many jobs. Where can we get these jobs? Just show up on Monday. The machines have created enough jobs for every single person on the planet and the whole family to enjoy. I have a PhD in medieval French literature. Even the most useless skills can be put to work in the new office building visible from space. Congratulations, all 7 billion humans on the planet. You're hired. Ok. Pour rappel, donc. Pour YouTube, pas de cam pour le moment. Ça arrivera plus tard. Alors, vous êtes en retard. Tout le monde est déjà ici. Elles, ils sont juste là, clignant des yeux, attendant vos instructions. Vous n'êtes plus le seul concerné maintenant. Vous êtes le patron de tous ces employés. Elles, ils feront tout ce que vous leur demandez. Voyons donc à quel point cette main-d'œuvre est adaptée. Vous pouvez demander à tout le monde de récupérer leur propre cube de données, puis de le relâcher. Nous allons voir ces petits bras utilisés à la mission. Oui, il n'y a rien de tel qu'une première victoire pour la confiance en soi. Ok. Donc pour moi, c'est step down. Pick up. Et drop. Let's go. Oui, fantastique travail, tout le monde. Ces employés sont clairement des experts pour ramasser puis reposer des trucs. Ok. Let's go sur le next. Eh, vous, là-haut. Ces lignes de cubes de données est trop loin pour le délire. Passez demander à tous vos employés de bouger toute la ligne de cubes de données vers le bas de deux cases. Mettez-les juste entre ces deux charmantes plantes en pot pour que je puisse les voir, mieux les voir. Ces lunettes ne sont pas là que pour avoir l'air beau, vous savez. Ok. Donc c'est le step down. Step down, step down, et drop. Allons-y. C'est mieux comme ça. C'est comme les icônes sur le positionnement, sur le bureau, le positionnement intentionnel, ça fait tout. Allons-y. Donc pour le moment, c'est assez simple. Et normalement, ça se corse au fur et à mesure. Alors. Je viens juste de lire un livre sur la méditation en pleine conscience. C'était fascinant. Vous pourrez me l'emprunter plus tard. Je voudrais complètement vider mon esprit et la salle aussi. Tous ces cubes, tous les cubes de données et les employés doivent partir pour que je me concentre. Employés, veuillez prendre le cube à côté de vous et marcher jusqu'au moment où vous quitterez la salle par l'un de ces trous commodément placés sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ces trous sans fond? Oui, c'est une très bonne question à se poser en même temps. Vous avez une nouvelle commande, le saut. Non, les employés ne vont pas vraiment sauter en l'air. Ce n'est pas dans... Ce n'est pas ce genre de jeu. Regardez ceci, on va tout vous expliquer. Pour sauter,
suis un team en route. Il y a pas mal de bugs. Ok, donc c'est un. Ok, donc c'est step droit, pick up. Step droit. Et un jump ici. Donc c'est une boucle, hein. C'est juste ça. Je suis un océan. Je suis une forêt d'atoll. Je suis un coucher de soleil. Je suis. Quelqu'un veut aller chercher à manger? Quelqu'un? Donc là aussi, il y avait une autre façon de faire pour moi. Je sais pas si ça marche. Je sais pas du tout si ça marche, mais ça. Ça marche. L'idée c'est que c'est plus court et je crois que suivant les niveaux on peut nous demander de faire soit des choses plus courtes en termes de temps, donc là c'était plus long en termes de temps parce que à chaque fois il y avait une commande qui était inutile, ou on peut nous demander de faire donc plus court en termes de lignes. Donc là j'avais fait plus court en termes de lignes, mais bon, apparemment ça débloque une décision importante. Nous allons nous poser une petite question. Est-ce que vous préférez une mort soudaine pleine de cris et de sang ou aller à une fête du personnel vraiment sympa? Et bien, vous avez maintenant une nouvelle commande pour vous aider à décider. Chacun regarde à sa gauche et à sa droite. D'un côté, vous avez un cube de données qui illumine le chemin vers la fête du personnel. De l'autre côté, vous avez la mort. Utilisez votre nouvelle commande IF pour ça. Pour identifier le côté avec le cube de données, et continuer à marcher dans cette direction jusqu'à ce que le bouton biais dans le gentil petit trou qui amènera à la fête du personnel. Okay. Faites le bon choix. Je vous retrouve là-bas. Ok. Chaque employé a un cube de données, soit à sa gauche, soit à sa droite. Marchez vers le cube, et continuez à marcher dans cette direction jusqu'à tomber n'importe quel autre trou. Ok. Donc on va faire if gauche égale hop, un step gauche, un drop, pick up, un step gauche et un jump. Et sinon c'est step droit, pick up, step droit et un jump. Hop. Normalement ça devrait le faire. Tup, tup, tup. Oui, félicitations, c'était une réelle prouesse technique. Je n'ai plus envie d'aller à la fête, mais amusez-vous bien. Donc pour le moment, hein, c'est plutôt simple, c'est le début. Et au fur et à mesure, normalement, ça se complique. J'apprends à programmer, d'ailleurs, j'ai déjà résolu cette tâche pour moi. Enfin, plus ou moins. Cet employé est supposé ramasser ce cube sans tomber dans les trous. Il y a un problème, donc je vais vous laisser le régler pour moi. Regardons ensemble ce qui se passe. C'est vérifier si c'est le cube d'en bas, si c'est là en bas que c'est possible. L'erreur elle est là. Je crois que c'est ça. If. Ah non, pardon, if en bas égale un trou. On retourne au début. Ok, allons-y.
Let's go. Il faut que je remette le Twitch. Si j'ai plus le chat non plus. Alors, cet endroit est une porcherie. Les ingénieurs ont laissé des données partout par terre. Ces gens n'ont aucun sens du style ou de l'art. Ok, on va associer les données, organisons-le. Organisons-les en une belle rangée le long de la ligne de là. Juste entre ces deux flèches, bien pratique. Mais faites attention à ce trou sans fond. Comment ça va, où se trouve le cube? Bien. C'est vous, il y en a un homme qui vous entoure. Ici, le qui m'entoure n'est qu'un brouillard confus. Et ça, c'est quoi ça? Commentaire. Ok. Bon, bah, c'est un step down. Jump. If. Le shift égal. Un cube de données. Je le pick up. Attends, je peux faire un autre. If. Ah, je peux pas le mettre là? Merci. If en bas égal un trou. J'ai les dents. Par contre, je sais pas si je dois m'arrêter avant. Genre, si eux ils tombent, c'est grave ou pas? Je pense pas. Hein. Ah, c'était bien ça, les... J'aurais pu les faire s'arrêter, hein, ouais. Par contre, des responsables de moral. Congratulations, you're doing great. I cannot believe how great you're doing. As your employee morale officers, we are here to offer occasional tips on how to keep your workers feeling delighted. For example, come on up, Jeff. We find that workers appreciate an occasional confirmation of a job well done. You might say, congratulations, you're doing great. Followed by a gentle but firm pat on the rear. That a boy, Jeff. When I was his age, I was a refrigerator. Good work, everyone. You know how many salads wilted inside me? With enough teamwork and engineering, even a kitchen appliance can become a mid-level office manager. We're not just building data solutions. We're building a family. Ok. Bah allons-y. Angle dynamique. Eh bien, ça c'était une bonne tasse de café qui veut faire quelque chose de dingue. Mais cette jolie ligne bien droite des cubes de nez, faut leur donner ça. Comme là, une ligne de... Ah non, ok. Bon, ok. Faites une ligne de commande diagonale. Ah, de taille ou de vitesse. Ok, donc c'est à partir de maintenant que la taille et la vitesse sont importants. Donc bon, on peut commencer par un step down. Pick up. Donc if non, c'est de dans l'autre sens, à gauche égal rien. Drop et un else jump. Ok, vous avez réussi. Oh non! Qu'avons-nous fait? Alors, utilisez 5 commandes. Ou moins. 6 secondes ou moins. Moyenné sur 25 tests aléatoires.
5 commandes ou moins. Retour. Tentons en 5 commandes ou moins. Donc, step down pickup. Donc là, j'en ai enlevé une seule. Il y en a encore une à enlever. Je vais voir. Je crois que... Je suis à 6. Tout à l'heure, j'étais en dessous. Hein. Il me semble. Alors, voyons voir qu'est-ce que je pourrais lui dire. En vrai, dans ce sens, ça change rien. 3, 4, 5, 6, il m'en manque une. Ah oui, en vrai, je peux faire ça. Ok, le L, c'est une commande. Ah merde. 3, 4, 5, ok. Ah, oui. Là j'ai le bon nombre de commandes, faut juste que je modifie un peu. If oui je peux faire ça comme ça plutôt. Il y a les gueules. Non, vous voyez. Let's go. Ah non mais non, j'ai fait l'inverse. Il est où? Je peux changer là. Ok. Merde, je fais nappe. Alors attends, je descends, je pick up si à gauche. Oui, c'est ça, c'était si à gauche. C'est un employé. Je redescends d'un cran. Si à gauche. C'est un employé, genre descend d'un cran. Après, donc je peux faire. Ouais. Et sinon. Ouais, tentons. Il m'en manque un, ok. Faut donc que je fasse plutôt un comme ça. Voilà. Et ça devrait être ok. Bah non, toujours pas. Faut que je l'amène donc. Je pick up, je step down. En 5 lignes, hein. Il faut faire que 5 lignes. Si à gauche c'est un employé. Je jump au début. Ouais, le problème c'est ça. Hein. Je pick up. Je descends, je pick up. Là en fait faut que j'ajoute un step down ici mais ça me redonne mes 6 lignes, il m'en faut que 5. Oui ça marche même pas parce que ouais j'en fais un trou. On va tout effacer en vrai. Oui, donc l'idée là c'est de toute façon on est obligé de commencer par un step down. On est obligé de faire un pick-up. Ah, pourquoi j'ai pas fait un cube de données plutôt? Si à gauche c'est un cube de données,
Je recommence. Oui, voilà, c'est ça. Au lieu de faire un employé, il fallait juste que je fasse un cube de données, je pense. Et à la fin, je drop. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Ah, pour eux, ça, c'est pas un cube de données ? Quelqu'un qui tient un cube de données ? Je comprends pas. C'est vrai, pour moi, ça, c'est un cube de données. Hein. Ah, pour eux, ça, c'est pas un cube de données. Et ça, du coup, c'est bon, non. Ok, bon. On a fait les 5 lignes. J'ai fait ça. Je ne sais pas plus si ça, je l'ai fait. Comment je peux savoir si je l'ai fait ? Ah, c'est marqué là. Ah, donc oui, voilà. C'est bon, ça l'a débloqué partout, les deux. Donc là, j'avais fait ça, ça, ça. Une décision importante, on va y retourner, du coup. Donc là, quand j'avais fait ça... Alors, je vais voir avec mon petit corps. Donc là, j'avais fait du 9. Et donc, il faut 5. Allons-y. Donc... En vrai, hein. Tout effacer, c'est mieux. Hein. Donc, if. 5 lignes. Ah oui. J'ai vraiment besoin de les faire tomber dans les bons trous. J'ai mes 5 lignes, mais c'est pas suffisant. Donc là, le vrai souci, c'est le else. Ok. Donc ici. La vraie question, c'est est-ce que je peux vraiment les faire tomber, est-ce que je dois vraiment les faire tomber dans les trous indiqués? Apparemment oui, mais on va tester quand même sans. Déjà, est-ce que ça marche? Tous les employés sont morts. Ok. Bon. Sec. Il me demande 5 lignes. Je vais remettre ce que j'avais avant. Hein. Mais c'est chelou. Ah, je peux pas. Okay. Ah, je peux faire ça? Non, on découvre. Alors. Comment on peut faire 5 lignes? Bon, si à gauche. Ah, je peux faire des hands. Ça coûte rien.
C'est la fin, ça. Ah, c'est la valeur du cube, je crois. Je sais pas. Ok, je crois que je peux donc regarder ma direction. Si... c'est que je suis déjà 5 là. Je suis déjà à 5. Et je suis à 6. Pourquoi il va dans l'autre sens lui? Ça, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas ça, c'est quoi? Si ma direction c'est la gauche, ça peut... je peux mettre quoi d'autre? S'éterniser, on va passer à... un d'après. Attends, déjà si je reviens, normalement il va me remettre le truc cassé. Hein. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Bon, on peut faire celui-là déjà. Faut que je le fasse le plus rapide possible. Moi j'avais fait ça. Donc là c'est 9 commandes. Et la vitesse sera toujours la même, je pense. Allons-y. À gauche, il y a des mines. C'est quoi là? C'est un... Je descends d'un. Et else. Ah, attends. En bas il y a un trou, on est d'accord, donc là je descends, là il y a... À gauche... Ok. C'est dans le S que si c'est...
gaucher, il y a un trou. Je vais voir. Et dans le S. Je vais à gauche. Ah oui, j'ai miné un peu. Mais elle doit le prendre, c'est ça. Ah merde. Ok. Signe gauche. Ouais, ça aussi, ça va être l'enfer. Faut que je fasse combien de lignes ? Ah, j'ai même pas changé de... Ah, là, c'était en 13, et il disait qu'il fallait faire combien ? 9, je crois. Et 4 secondes, c'est rapide, hein, ouais. 4 secondes, c'est juste bas, gauche, gauche, bas. Je vais faire celui de 4 secondes, ouais. C'est le plus simple, hein, c'est juste on met la liste et c'est tout. Tac. C'est du 9, donc là là il me manque mon pick-up en plus. Et là j'ai ma boucle infinie. Attends, ma boucle infinie ici. Donc là le problème c'est que à gauche il y a la... Il n'y a pas un trou. Je peux faire dehors. Ah oui, quand je fais le poubelle, ça jette celui que j'ai sélectionné, ok, donc. Le vrai problème, là, c'est... J'ai un if qu'il faut changer, quoi. Si, imaginons qu'elle arrive jusqu'ici, elle regarde en bas, elle descend... Et elle ferait le pick-up. Ok, donc j'ai un if à corriger. Je pense pas que ce soit possible autrement. Je sais pas. Attends, si. Et j'arrive toujours pas à utiliser la direction en vrai.
Je comprends pas, c'est quoi direction? Comment on peut dire est gauche différent de gauche? Ça n'a pas de sens. Moi différent. Ok, bon. Ok, donc là, elle arrive là. Il est quand même bon. Bah oui, vu que le deuxième il vote toujours non. Je ne comprends pas. Je comprends pas en fait à quoi sert la direction. Avec ça à gauche. Sachant qu'à gauche je peux sélectionner que moi-même en fait. Enfin à gauche je peux sélectionner qu'une direction. Donc mettre une direction à droite ça n'a pas de sens. Hein. C'est bizarre. Hein. J'avoue que peut-être on n'a pas encore vu comment on utilise les directions. Je me casse la tête pour rien. Peut-être des choses qu'on m'expliquera après. Mais importantes des directions. Je les ai laissées sur le sol en ligne horizontale. Presque tous. En tout cas, je me suis perdu dans mes pensées. Pourriez-vous les remplir, les données dans chaque ligne? Tiens, je sais. L'ordre n'a pas d'importance. Et puis je suis sûr que personne ne s'en plaindra. Ok. Bon, alors, globalement, c'est quoi? C'est step up. Enfin, step down, pick up. Step down. Ok, pour un step down ici aussi. Je prends. Je descends de 2. Si j'ai un 6, il n'y a pas de cube de données, je dépose. Sinon, je descends de 2. Ok, teste-toi. Je suis 8. Mais je suis plus rapide. Ok, bon, ça c'était logique, j'ai pas vraiment optimisé les lignes de code. 5 commandes. Les 5 commandes, ce sera ça. Je descends, je pick up. Je descends. C'est combien ces 5 commandes? J'ai pas vu. Merde. Je m'en rappelle déjà. 5 commandes, je vais vite. Faire ça à chaque fois. 5 commandes, donc step down, pick up, step down, drop. Ah, je crois que je vois. Je crois que j'ai un truc, c'est que. Attends, est-ce que je peux déposer en fait là où il y a déjà un. J'ai envie de tester ça juste. Step down. Step down. Step down. Et drop. Et j'ai juste fait un step down en bas pour avoir le temps de voir ce qui se passe.
Ok, j'ai vraiment pas besoin en fait de faire ça. Je vois, je vois. C'est pas ça? Non. Donc en gros, c'est ça. Ah, je peux drop à droite aussi. J'avais pas vu. Ah non, drop je peux pas. Par contre, je peux pick up à droite. Et c'est quoi les trucs que j'ai là? Ah oui, c'est ça. Drop par contre, c'est pas possible. Ça fait quoi exactement? Toc. Ok, il m'en manque un. Et malheureusement, ce ne sera pas non plus suffisant. Ça, mais ce serait ça du coup. Mais ça marchera pas. Ouais. Donc, parce que malheureusement, je descends. Je pick up. On verra ça plus tard. En fait, les optimisations, je pense qu'on les verra plus tard. En plus, c'est le truc le moins intéressant parce que. D'accord, donc la sélection, oui, des coups très importants. Je les ai presque tous posés sur le sol, mais je pense que j'ai oublié quelques endroits. Enfin, vous n'êtes pas le plus attentif non plus à faire oui de la tête en espérant que j'ai bientôt fini de parler. Je sais. C'est notre vie maintenant, donc récupérez le casque. Je suis sûr que vous trouverez tout seul. Ok. Tac, tac. Donc, globalement, pick up. On peut les faire faire ça. Ou, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on a le choix. Soit on leur fait faire un serpentin. Soit on n'envoie que celui de droite là-bas. Mais ce sera pas suffisant ici. Il y en aura deux. Et on peut pas non plus envoyer celui de gauche parce qu'ici il y a un trou. Donc bon bah c'est serpentin hein. Donc j'ai évidemment un jump ici.
L'idée maintenant, c'est pour que ça s'arrête, éviter les boucles infinies, même si je crois que le jeu est plutôt conciliant sur ce sujet. Donc, je vais à droite. Else. Non plus. Hein. J'en ai un qui marche mais qui est ni opti dans le terme de déplacement. De toute façon, opti dans le terme de déplacement, c'est évidemment choc. Il pose. Il revient. Je sais pas. Et je vais faire un if. Okay. Tout à gauche, c'est différent. Le mur. Juste à gauche. Déjà ça donne quoi ça? Normalement il... Je vais pas faire ça. Normalement ils arrivent là et... Peut-être ils vont tout à gauche. Okay. En vrai je peux en mettre un step down en plus. Déjà, on va tester ça. Là, pourquoi il veut retourner gauche? J'ai pas vu. Ah oui, parce que là, j'ai juste fait un step gauche. Il manque le... Évidemment, jump. Ça fait quoi ça? Bon, par contre c'est très très long. C'est logique que selon. Déjà, on pourrait les poser sur le passage. Mais bon. Ok, au moins c'est fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de Burbanks? Je viens de recevoir un fax d'administration stupéfiante. Quelle bonne nouvelle! Je voulais dire défaillance structurelle imminente. Où il semble que cette salle est en train de s'effondrer et que nous devons évacuer immédiatement. Oh non! D'accord, continuons à lire. 1.
des trous dans cette salle mène à une charmante sortie confortable. Vous serez sauvé des beaux et puissants bras de notre escouade de survivants. J'imagine que c'est ici. Je suis ces instructions. Ah oui, ok. Si le cube sur lequel vous êtes contient le numéro 1, allez en haut. Ok, bon, en vrai, ça m'a l'air d'être ok en termes de difficulté. Hein, ça c'est. Ça c'est égal à 1, je vais en haut. Là où je suis égal à 2, je vais à droite. Égal à 4. Donc 4 c'est gauche. Ça c'est 3. 3 c'est quoi? 3 c'est bas. Et 4. 4 c'est gauche. Et donc effectivement mon jump, si je mets là, je passe à 11. Sans doute plus rapide. Hein. Ah quoique non, il y a tous les if qui s'enchaînent. Ouais. C'est pas du tout le plus rapide, vu qu'un if ça compte dans le timing. Ceci il est obligé. Oui, avec DL c'est plus rapide. Vu qu'on s'arrête au premier. Donc là c'est ultra long. Ok. Ouais, c'est normal que ça soit long. Il y a beaucoup de tests qui sont effectués, beaucoup plus que nécessaire. Retour. Alors, déjà je vais optimiser en termes de lignes. Est-ce que je peux l'optimiser en termes de lignes? Il faut que j'enlève deux lignes. Ça a l'air d'être
plus rapide, mais je pense que c'est bien. Ça c'est très long. Pourquoi c'est aussi long, je ne sais pas. Pour moi là c'est juste aller à gauche jusqu'ici et après suivre les instructions. Voyons voir ce qui se passe exactement. Lui il a hésité aussi longtemps, je comprends pas. Là il a fait quoi? Lui il m'intéresse. Ok. Ok, donc là il va à gauche. Là il voit que c'est pas à gauche. Il voit que c'est égal à 1. Et on monte, ok. Ah ok. Faut que je regarde c'est quoi le plus courant. Ça c'est le moins courant donc. C'est moins courant donc je suis obligé de faire ça et lui. Lui de le mettre dans le else. Ça doit être un tout petit peu plus rapide comme ça je pense. Bon, on est loin des 200 tout à l'heure. Mais 25 secondes. Je comprends pas comment on fait 25 secondes. C'est quoi l'arnaque? C'est même. Une seconde, c'est un truc, non? J'imagine que le coup des 25, c'est faut pas tenir compte des cubes. Faut aller ici, faire des trucs comme ça, choc. Après donc faire une autre boucle en descend, on va à gauche. Nouvelle boucle quand on arrive ici, on monte. Non mais ça reste la même parce qu'une fois qu'ils sont là en fait en gros c'est juste réussir à les faire rentrer là-dedans. Qui doit être compliqué. Mais j'imagine qu'il y a une arnaque là-dessus. Hein. Ce qui est pas cool. Hein. Ok. Bon, alors. Faisons zigzaguer cette ligne de données. Bouger le cube de données le plus à gauche. J'ai le cube sur. Sur.
Ok. Donc, effet gauche égal à mur. Ouais, c'est à gauche différent d'un autre. Donc il me manque le... Hop. Ça, je peux le copier, non? Ah, ok. Dommage. Jump. Qui je pense peut aller plus vite en vrai, en prenant en compte que tu peux partir aussi de la droite, donc tu pars des deux en même temps, mais on va, c'est ok. Ah merde, je voulais retourner sur l'ascenseur. On va en faire un dernier, je pense. On est clair. Ah non, on a le temps. On va continuer encore un peu. Alors, toc toc toc, est-ce que vous présentez quelque chose qui m'est cher? Les Royeur. Broie tout ce qui est mis dedans. N'importe quoi. Broyez, s'il vous plaît. Oh ah. Oui, je m'excuse pour mon comportement. Le broyage m'excite déraisonnablement. Oui. Sommes-nous prêts à nous concentrer? Tout le monde, broyez votre cube, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas eu un cube de données? Bien. La vie est injuste, n'est-ce pas? Alors, broyez au cube de données. Ok, ok, c'est un drop quoi, le gift. Donc, pick up. Et gift. Comment ça? Que de boulot. Accident de travail, broyé. Est-ce que tout le monde est sur les cubes? Je crois pas. En fait, c'est pas forcément nécessaire que le travail. Quatre commandes au moins. Avec un même vitesse. Pour la vitesse, hein, c'est. C'est tout simple. Si je teste juste ça déjà. Ça marche pas pour les broyeurs, mais j'ai fait un gift.
Ah, et une erreur de d'interprétation. En fait, quand on fait une erreur, ça je savais pas, j'avais pas compris ça. Quand on fait une erreur, c'est coûteux aussi. Je vois pas comment c'est calculé en vrai le temps. Je vois pas comment le fait de juste enlever une erreur qui pour moi coûtait exactement un cinquième du temps. Genre pour moi en fait, pour expliquer, un if ça coûte 1 à mon avis. Et ça, ok. Là il vient de se jeter après tout le monde. Donc ça c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Une erreur en fait ça coûte cher. Ok. Ce qui n'était pas forcément évident. Parce que nous sommes tous d'accord. Ouais, un subcube, ce n'était pas assez. Oui, je comprends votre désir brûlant de broyer plus. Oui, ne me remerciez pas. Nous ne pouvons pas avoir des cubes de données qui traînent partout comme une start-up débutante. Ok. Ok, donc end, c'est du gain de temps, quoi. Pour moi, c'est... Donc si on... au-dessus, j'ai pas un mur. Ça marche. J'ai oublié mon jump tool. Oui, bah oui, moi aussi. Si en bas c'est pas un broyeur. Je crois qu'on continue de descendre. Et si en bas c'est un broyeur. Si j'arrive là, je reviens là, je pense. Hein. C'est ça, je crois. Je suis encore un tout petit peu trop haut.
Après, hein, ça a l'air de se compliquer de ouf. Hein. Surtout avoir tout en 2 étoiles, ça a l'air d'être compliqué. Mais il y en a, j'ai l'impression que c'est pas forcément intéressant d'avoir des 2 étoiles. Regardez-moi prendre. J'ai résolu celui-là. Un peu à droite, elle ne fait pas ce qu'il faut. En plus, tout le monde meurt. Pouvez-vous le corriger avec seulement 2 changements? Ouais. Et après, j'ai... Quelle catastrophe. 2 changements, on a dit. Hein. Ouais, c'est... Alors, si je descends... Donc si en dessous c'est pas un mur, je descends. Si en dessous c'est pas un mur. Oui, mais j'ai pas envie. Je suis en dessous. Un trou, je descends. Une fois que je suis arrivé en bas, je pique up. Si je suis un des autres, il peut pas venir. Demande-moi, moi j'ai fait plus. Demande de vitesse, j'ai fait plus. J'ai respecté l'exercice qui était de garder à peu près le même schéma. Utilisation unique. C'est quoi ça? J'étais un peu ému ce matin quand nous avons reçu une nouvelle livraison de broyeurs jetables. Ah, ça y est. Fini les réutilisations inutiles. Oui, les tout nouveaux broyeurs dans cette pièce ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Les explosions de l'air associées. J'ai envie de voir quand même. Mais non. On va quand même voir. Je vais voir ce que ça fait. Ah merde, il faut que je descende. J'ai pas compris du coup. Ok, je redescends. Et je vais faire un nouveau gift. Je vais voir ce que ça fait exactement. Blah, 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 blah.
J'ai pas compris. Mais ok, bon, on va dire que. On va dire que c'est ok. Bon, du coup, faisons-le sérieusement. Alors, on va à gauche. If. Égal. C'était bon. Ensuite, if. En dessous, différent de l'embroyeur. Step down. Un jump. Jump directement ici. Give to. Et un end. Quoi? J'ai oublié le pick-up. Ok, comment ça? Lui, il voit qu'il y a quelqu'un. Voilà. Ah, j'ai oublié un jump ici. Je pense qu'on va s'arrêter là par contre. On reprendra peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Les données sont mettre à l'envers. Je vois ce que vous voulez. Ce n'est pas juste parce que je les regarde ici. Oui, veuillez inverser ces lignes de cube. Et remplacer le. Même place entre les deux. Inverser la ligne de cube de données et repasser le résultat sur le sol à la même place entre les deux. Comment faire? Comment je fais ça? Elle prend ça. Le drop à droite. Le drop à gauche. Non, eux c'est. Ok, il va à droite. C'est... Comment il peut le savoir? Non, attends. Déjà, je pense que je peux pas passer là. Hein. Ok, bon. Alors, l'idée, c'est quoi? Toc. Comment elle peut savoir? Alors elle sait qu'elle est tout à gauche, donc elle va aller en haut. Elle va aller. Non, attends, oui. Ils prennent tous leur truc. Elle sait qu'elle est tout à gauche, donc elle remonte. Et elle va à droite. Elle continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Elle descend. Elle va à gauche. Elle descend et elle dépose. Et c'est fini. Ok, je vois à peu près le truc. Donc je pick up. If. À gauche. Ah, attends. En vrai, il
Vlam, ils vont tous à gauche. Else, un step. Ici, un jump. Donc une fois que j'ai en haut, j'ai un step droit. Avec un if évidemment. Donc if à droite. Différent. Un mur. Je step droite. Avec un jump donc toujours. Après, on va à gauche. Donc, forcément, on va toujours à gauche. Ah, attends, on va au moins en bas. Il faut au moins aller en bas un cran. Je vais le mettre dans le else ou pas. Mais le truc, c'est que si on le met dans le else compte aussi comme une. Comme 1, en vrai c'est mieux comme ça. Top, top. Mais je t'ai dit non, ok. Toc, il va à gauche. Ici je peux remettre un if. If en bas, égal, égal. Non, en vrai je pourrais le mettre aussi dedans. C'est différent de un trou. Et en bas, c'est différent de un trou. Vous voyez. Je step down et je le drop. Sinon, step gauche et je rejump. Hop. Oh. C'est pas ça. Et toi tu fais quoi? Tu vois qu'il y a quelqu'un en bas? Ah oui, pardon. Donc ici on met forcément le. On met ça dans le L, ça revient au même je pense. Et quoi d'autre? Je m'en rappelle plus. Bon travail. Oups. Je voulais dire bon travail. On était long et on a fait tout le job gros. Ok. En vrai je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Du coup on va s'arrêter là. Et on aura largement le temps de le continuer pendant les vacances. Du coup, à plus tard YouTube. Et bonne nuit à tous.